J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Salezio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les runes sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur ? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Besoin d'une saignée ? J'ai des sens une toute fraîche. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. J'ai rien fait, je vous connais pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non. Non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi. Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatigué, tu ne veux pas... Non, grazie. Je dois partir. Quoi? Mais où vas-tu? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger, mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Nous devons nous déplacer librement dans les rues, vus sans être vus. Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu, à te mêler à la foule comme nous le faisons. Mes filles vont te montrer comment faire. Wendy ? Approche, n'aie pas peur, Ezio. Je le connais.
ferait mieux de se tenir tranquille. Bene, tu as appris à passer inaperçu. Je vais te montrer que cela ne sert pas uniquement à se déplacer. Tu peux aussi dérober discrètement l'argent des passants. Au voleur ! Au voleur ! Une fois que tu as dérobé quelque chose, Ezio, ne t'attarde pas. À l'aide ! Je vous en prie, arrêtez cet homme ! Ma bourse a disparu ! Garde ! À l'aide !